Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve ce soir pour parler un petit peu robotique. Et ce soir, live un petit peu chill, puisque on va faire un petit peu de modélisation. J'ai plein de petits fichiers à finir, des petits trucs à corriger un peu partout. Des pièces à lancer. Bref, je me suis dit que c'était un bon moyen de le faire là, maintenant, ce soir. Et puis voilà, d'avancer. Donc on va faire un peu de freecan. On va faire un petit peu d'Inkscape aussi, puisque j'ai un petit truc à faire directement dans Inkscape. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Et j'en profite, du coup, avant de débuter, pour remercier, parce que j'ai pas le logo qui est passé là tout à l'heure, j'en profite pour remercier une nouvelle fois Cyril de la société Debamax de nous sponsoriser une nouvelle fois cette année. Donc un grand merci à toi, ça aide énormément, tu peux pas savoir. Donc un grand merci à toi, vous pouvez faire un grand merci sur le live. Ouh. Et voilà, donc grand merci Cyril, voilà Cyril qui est là, pour ton aide renouvelée depuis 3 ans maintenant, que je ne dise pas de bêtises. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. En parlant également de choses qui sont sorties cette semaine, si vous étiez un petit peu sur la chaîne, si vous ne l'étiez pas, la chaîne YouTube, je vous encourage à aller la voir. J'ai shorté un short. Alors attendez 2 secondes. Je sors la petite vignette. Je vais sur YouTube. Je vais sur la chaîne. Normalement, hop, voilà. Voilà. Et oh magie, le deuxième short, de la chaîne, qui est le prototype d'élévateur de balles. Oula. On se calme, on coupe le son. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore vu, bah, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à lâcher un pouce si c'est pas déjà fait également. L'idée, c'était de faire une petite vidéo très brève, donc moins de 60 secondes, ça tombait bien dans un format que j'apprécie pas énormément, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ces formats un petit peu verticaux. Sur l'assemblage de l'élévateur de balles sur lequel on va travailler là juste après, et ce sur que j'avais présenté aussi la semaine dernière. Voilà, donc un petit peu tôt pour la saison pour mettre un short. Exactement, et vous allez pas me voir souvent avec des shorts, hein, en plus. Donc profitez bien de moi en short. Voilà, petit short pour vous montrer un petit peu le montage, pour vous montrer un peu le fonctionnement du prototype. Et du coup également petit teasing, mais normalement il y a une vidéo qui devrait sortir, une vidéo aussi assez courte, mais qui devrait présenter une introduction en fait à la prochaine vidéo du mois prochain, qui devrait sortir mercredi si tout va bien. Voilà, j'en dis pas plus. Vous avez déjà eu un screen sur Discord, etc. Donc normalement, voilà, vous avez déjà un petit peu une idée de quoi ça parle. Et puis voilà, vous aurez la réponse normalement mercredi à 20h. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux pour pas louper la sortie. Je crois que j'ai fait le tour sur les nouvelles de la semaine, je réfléchis un petit peu. Du coup, ça c'était sur l'aspect un petit peu global. Là maintenant, on va se tourner plutôt vers l'aspect technique, puisque j'ai avancé un petit peu sur le prototype qui est juste derrière vous. Et comme je l'énonçais juste avant le début du live, en fait je n'ai pas reçu les composants. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, sachez qu'on a cramé 2 composants. Donc voilà, vous le savez maintenant, on n'était pas sûr la semaine dernière, mais le régulateur est cramé, hein. Il ne se passe plus rien. Il change plus, dès que je le charge un petit peu la tension chute, enfin voilà, il est mort, plus des condensateurs, mais c'est pas grave, on a eu la confirmation de l'envoi du matériel, donc on devrait recevoir ça
J'espère la semaine prochaine, ça devrait pas tarder, normalement c'est en stock, ça va arriver, etc. Donc on pourra finir tout ça le plus tôt possible, puisque là, dans moins d'un mois, ouais, un mois quasiment, nous sommes en Belgique pour faire des matchs avec les robots, donc faut bien que ça fonctionne. Juste derrière nous, oui voilà, moi je... juste derrière moi, voilà, désolé. Bref, donc il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on va continuer un petit peu de travailler ce soir. C'est pour ça que j'ai avancé sur l'électronique de ce machin là derrière, et c'est pour ça que j'attends les composants avec énormément d'attente. Pas fini. Il me manque des composants. Le machin bouge, mais alors très beau robot. Hein, ceci dit, Ness, j'en profite. Incroyablement compact. Voilà, ceux qui savent, savent. Bref, soirée barbecue, je sais pas. Si vous voulez, hein, si vous voulez, mais on rentrera pas tous. Hein. Voilà, ça c'est sûr et certain. Bref, on n'a pas beaucoup de temps ce soir, et je suis déjà en train de dire des âneries. Donc on va passer côté atelier. Statue, le machin bouge. Exactement, c'est exactement ça. Je vais tourner vite fait, hop, la petite fenêtre pour vous avoir à côté. Ah, vous, tu vas réellement en Belgique pour aller boire des bonnes bières? Bah, très certainement qu'effectivement, on va pas faire grand-chose de plus que de boire des bières. Mais si, en plus, on pouvait avoir un machin qui fait les points qu'on a prévus, ce serait vraiment génial. Donc, hop, côté atelier, on arrive ici. Alors, vous vous souvenez... Alors, je l'ai pété. Voilà. Première info. Voilà, c'est pété. Là ici c'est... Ah oui mince, j'ai fait des tests avec les balles. Attendez, deux secondes, j'enlève les balles. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, hop. Voilà. Tac. Tac. Voilà, on enlève toutes les balles. On met ça de côté et c'est parti. Du coup, ouais, ça s'est pété. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai vraiment pas envie de refaire cette forme-là. Mais du coup, c'est pas très grave parce que ce soir, normalement, l'idée, c'est de faire la surplaque qui doit venir ici, donc qui doit venir à l'arrière du dispositif. L'idée étant de mettre des crans et un compteur de balles pour savoir à combien de balles on est. Parce que le but, c'est pour les arbitres de très vite, très rapidement repérer le nombre de balles qui est dans le panier. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Mais avant, voilà, je voudrais vous montrer qu'on a avancé sur la partie électronique. Donc, toute l'électronique a été mise dedans. Bon, c'est le bazar, hein, en fait. En vrai, il y a juste un tout petit... alors, c'est quoi? C'est un Beetle de chez DF Robot. Alors, si vous savez pas ce que c'est qu'un Beetle, je vous mets... Alors, attendez, Beetle DF Robot. Alors, hop, voilà, donc c'est ces petits machins-là. Alors, pourquoi ces petits trucs? Donc, qu'est-ce que c'est en fait techniquement? C'est des 32U4, donc c'est basiquement la puce de l'Arduino Leonardo, de l'Arduino Micro, si vous voyez à peu près quelle puce c'est, la 32U4. Très simple, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de composants, toutes les entrées sorties sont permises. Le petit avantage, c'est que c'est microscopique, que ça tourne bien et que j'en avais deux. Il y en a une qui est dans le dispositif de l'année dernière, une autre qui se retrouve dans ce dispositif-là. Voilà, je l'avais sous la main, c'est largement suffisant pour ce qu'on fait. Donc, voilà, j'ai gardé ça. Et le fait qu'il y ait deux possibilités d'alimentation à l'avant et à l'arrière de la carte, ça permet de simplifier un petit peu le wiring, donc c'est quand même pas mal. Attendez, j'ai pas vu. Ah, tout mon chat vient de s'updater, je vous avais pas vu. Note qui a dit faire des matchs, il a pas précisé en quoi les matchs consistaient. Exactement, exactement. Salut H2R2, pas de soucis, merci beaucoup d'être venu, et puis normalement le replay devrait arriver le plus vite maintenant, j'arrive à les faire de manière un peu plus rapidement. Manger des saucisses et des frites, oui, ça c'est bien aussi, c'est beau, merci. Paul McCartney, j'ai loupé la blague, désolé. Là on dit tu peux faire une impression 3D plus solide. Bah peut-être, c'est pas bête, c'est pas bête. Disons que ça sera pour le moment où j'aurai du temps et qu'il faudra que j'avance dessus.
Ah, Beatle, ok, One Beatle, ok, ça marche, je l'ai, vraiment, il a fallu qu'on m'explique cette blague, c'est horrible. Donc bref, on a notre petite carte qui est à l'intérieur et qui drive tout ça, et globalement, en fait, on a, alors, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus propre, mais cette nuit, j'ai vraiment pas eu le temps, donc pour l'instant, ça reste comme ça, mais on aura un beau câble avec une petite gaine tressée ici, donc c'est avec un connecteur, un connecteur aviation, c'est too much, vraiment c'est too much. Mais en fait, on reprend le design qu'on avait fait l'année dernière, vous voyez, où on avait à peu près le même principe avec des connecteurs aviation, avec le petit, voilà. Donc ça, il y aura ça normalement dessus. Et du coup, c'est pour ça que je gardais un petit peu cet aspect-là. Connecteur qu'on retrouve aussi en dessous. Voilà, et qui n'est pas branché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore les capteurs. Capteurs qui vont venir se mettre ici, normalement, ou à l'intérieur, je ne sais pas encore. Donc il faudra que je refasse un petit trou ici pour faire passer le câble, si c'est effectivement le cas. Et ici, un gros lamage. Voilà. Le plumage, tout ça, enfin vous vous débrouillerez avec la citation, pour la batterie ronde qui vient s'insérer, voilà, à l'arrière du dispositif. Pareil, pourquoi avoir fait ça alors qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple? Bah, tout simplement parce que j'aimais bien l'idée qu'on avait faite l'année dernière, où on avait exactement la même chose, une batterie qui venait se pluguer au-dessus, qui faisait partie du design. J'ai pas réussi à retrouver la même batterie, ce qui est un peu décevant, et je voulais garder cette batterie-là dedans, parce que voilà, elle matche bien, comme ça au moins, voilà, j'ai un dispositif que je démonte pas. Voilà, et du coup, bah, on se retrouve avec cette batterie. Alors, hop, voilà, nickel, bouton d'arrêt d'urgence, voilà. Et alors là, du coup, comme il n'y a pas de capteur, en fait, le système va tourner pendant 2 secondes, va s'arrêter, et va attendre d'avoir un front montant sur le... Ouais, bon, là, forcément, y a rien qui est... comment dire, qui est protégé, donc comme les câbles sont à nu, il n'y a pas de tirage il n'y a pas de tirage aux 5 volts, enfin bon bref, lui il voit des trucs qu'il devrait pas voir, mais l'idée c'est après une fois qu'on a reçu les capteurs de se connecter en dessous. Capteurs qu'on va recevoir la semaine prochaine qui sont des 50 NK, donc hop, je reviens ici, 50 NK. Voilà, qui sont, bon là je vous montre celui de DF Robot. Parce que j'étais dessus, mais en vrai, on en trouve partout, pas à ce prix-là. Qui sont des petits capteurs infrarouges avec un petit potentiomètre au-dessus pour pouvoir régler la distance. Alors, qu'est-ce que j'aime bien dans ces capteurs? C'est que, alors j'avais plusieurs choix. J'avais soit celui-là, j'ai encore des Sharp. J'en ai plein à l'époque où on utilisait beaucoup, mais le problème, c'est qu'ils sont très peu. Comment dire, utilisable à la coupe, à cause notamment de la luminosité ambiante. Il y avait aussi, en fait, si je tape 50 NK, je vais les retrouver. Voilà, dans les images, des capteurs ronds. Enfin bon, bref, j'ai d'autres capteurs, mais qui n'étaient pas fous non plus. Et l'avantage, c'est que ces capteurs-là, en fait, ça fait bien. Ben, écoutez, ça fait depuis 2019. Sauf en 2021 où on n'a pas utilisé ce capteur parce qu'on a utilisé un switch. Mais en fait, depuis sinon 2019, à toutes les compétitions, on a eu ces capteurs-là dans l'expérience, donc la partie externe, donc le panier cette année, l'autre machin l'année dernière, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le gros avantage, c'est qu'il se comporte extrêmement bien en haute luminosité à la coupe. Il détecte parfaitement nos robots ou d'autres dispositifs. Ils se règlent très facilement, ils sont hyper fiables, on n'a jamais eu de problème, et ils sont pas très chers, quoi. Attention, la semaine prochaine, il y a encore des grèves, c'est vrai. Et donc, du coup, j'espère que... Bon, on verra, de toute façon, il y a les grèves, écoute, c'est bien normal, ça arrivera plus tard, et ça arrivera plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, et du coup... L'autre truc, c'est qu'en fait, j'en avais hein, des capteurs comme ça. Hein. Alors, typiquement, en fait, l'année dernière, on en avait deux dans le dispositif, un à droite et un à gauche ici, ce qui était too much, hein, très clairement. Mais encore une fois, j'ai envie de garder ce dispositif intact parce que je trouve joli, je trouve qu'il fonctionne bien, et donc du coup, je n'ai pas envie de l'écorcher pour le moment. Voilà. Il y a des dispositifs comme ça qu'on essaie de garder. Par exemple, l'abeille de 2018. Voilà, on l'a gardée. Elle est pleine de poussière, mais on l'a gardée parce qu'elle est jolie. Elle est jolie cette petite abeille.
Voilà, elle était over, overkill avec tous les roulements, mais comme elle était mignonne, et bah du coup, on l'a gardée. Voilà, hop. Donc, première chose à faire sur ce dispositif, faire une petite plaque, donc probablement dans la même couleur, hein, juste devant, plaf, ou dans une autre couleur, je sais pas, on verra bien, avec d'écran et avec le numéro des balles. Et comment on va faire ça? L'idée, c'est qu'on va prendre les balles, on va les mettre dedans, on va prendre une photo, on va reprendre le design de cette plaque-là dans Inkscape, qu'on aura faite au préalable dans FreeCAD, et on va redessiner au-dessus le système, tout simplement. Bonjour, un lien pour être bénévole sur la com, tu sais s'ils cherchent encore pour l'assistance. Contacte-les directement, je pense qu'ils cherchent toujours du monde. Donc vas-y, sans aucun problème. Ça fait un joli élément de décor, exactement. Mais que fait madame? Bah écoute, c'est moi qui fais... On fait les poussières à deux, donc il n'y a pas de madame pour le coup. Et alors je vais te dire un truc, c'est que ici, c'est moi qui me débrouille. Voilà, c'est mon bureau, donc voilà, c'est clairement moi qui dois ranger ici. Donc il est hors de question que ce soit elle qui fasse la poussière là où c'est moi qui dérange. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a peut-être un peu beaucoup. Voilà. Mais... mais voilà. Voilà. Ce n'est pas genré, monsieur, ici. Alors, prenons nos petites balles et mettons tout ça à l'arrière de notre dispositif. Hop, voilà, comme ça on vérifie qu'il fonctionne bien. Donc vous voyez, hop, tout ça descend, voilà. Voilà. Donc on va faire ça de manière complètement naturelle. Je pense que là, je mets beaucoup plus de balles que je suis en capacité de mettre in fine par le robot, parce que là, du coup, on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, c'est le maximum que les robots peuvent mettre indépendamment l'un de l'autre, parce qu'ils peuvent en prendre 5 sur le terrain. Donc là, on est à 10. Attendez, j'ai perdu le compte. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15, donc c'est 2 de plus que ce que je suis en capacité de mettre dans la stratégie que j'ai prévue. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est histoire de ne pas prendre une adhésion pour rien. Ah oui, bah... mais non, mais appelle-les directement, enfin, contacte-les directement. Là, mais pour son bureau juste à côté, je suis sûr qu'il est immaculé avec une belle jonction. Bah, figure-toi qu'en fait, non, pas tant que ça. Et, et malheureusement, en fait, là, ces derniers temps, c'est plutôt moi qui ai occupé son bureau. Donc, s'il y a un moment besoin de son bureau, c'est moi qui le rangerai. Parce que c'est moi qui ai foutu le bazar. Voilà. Mais non, là, c'est rempli avec du matériel de... Il y a une imprimante 3D. Il y a des bobines, il y a du matériel de photo, et en fait elle a pris tout son matos et elle l'a mis dans la maison, voilà, donc pour tout vous dire. Donc ouais, là j'ai un peu pris du terrain, et je m'en excuse. Alors, on va prendre une petite photo. Alors par contre, ça c'est toujours un peu compliqué, il faut prendre la photo la plus flat possible. Voilà, et on va importer ça dans Inkscape. Donc on va ouvrir Inkscape. Hop, je repasse côté. Et je vais importer la photo sur le PC. Ah, par contre, elle peut effectivement me taper avec le balai. Il n'y a aucun problème. Enfin, bon, on va dire qu'il n'y a aucun problème. Alors, Zoo. Waouh, le réseau ce soir. Incroyable. Alors, nous allons ouvrir la photo. Je vais chercher tout de suite. Ah, ouais, peut-être, un jour. Ah, voilà. Tac, et tac. Alors, comme ça, on voit bien la casse à cet endroit-là. On attend le short. Faut savoir déléguer. Hop. Voilà. Et on va ouvrir... Des coups de balai. Ah oui. <rire> 2023, mécanique, laser. Et alors, ce truc-là, ça s'appelle... Alors, attendez, quand est-ce qu'on... C'est convoyeur bac.
Ouais, c'est Convoyeur Beck. Voilà. Alors, j'ai vraiment aucune idée de comment on va faire tout ça. Hein, donc, my bad si je prends un peu de temps là-dessus. Là, vous devez pas voir grand-chose. Ah, il y a un aspirateur balai. Tu as un robot aussi. En vrai, quand j'ai la flemme, je mets le robot dans la dépendance. Et du coup, il aspire le bureau, c'est bien. Mais il faut juste que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas de vis. Hop. Yes. Comme ça, on va pouvoir le mettre. Oh, regardez, c'est presque à la bonne dimension. Incroyable. Alors, tac. Ce qu'on va juste faire, c'est... Est-ce qu'on est en capacité... Parce qu'on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. Donc je vais faire un mix entre ce design-là et ce design-là. Est-ce que je suis bien là? Ouais. Hop, hop. On va faire... Tac. On va les centrer. On va les aligner. Et voilà. Ça, on va l'enlever. Tac. Alors, par contre, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ouais, forcément. Hop. En fait, il faut que j'enlève les perçages ici. Ce sera plus facile. Voilà. Ça, on va le dégager. Ah! Comment ça se fait que j'ai plusieurs traits là? Oh, c'est pas normal ça. On va garder le trait du bas qui va nous servir de repère pour l'alignement. Tac, tac, tac. En fait, c'est assez triste, mais depuis que j'ai plus le robot, j'ai plein d'idées de vidéos à faire avec le robot. Et c'est toujours pareil, en fait. Donc, bon. Tant pis, hein. Une autre fois, peut-être. Ok, du coup, ça on peut dégager, ça on peut dégager. Ça on peut dégager. Voilà, impeccable. Donc là maintenant, on a tout notre modèle. On va grouper. Tac. Voilà, et ça, c'est ce qu'on veut. Enfin, globalement, c'est ce qu'on veut découper. Donc, maintenant, on va prendre notre image. Ça n'a pas besoin d'être très précis, mais on va essayer de l'aligner. Voilà. Impeccable. Bah, en fait, comme je veux faire un truc un peu graphique, je voulais le faire un peu dans Inkscape parce que ce sera plus facile de mettre comment dire, les éléments. Tu vois, notamment pour du texte ou des trucs comme ça, quoi. Redemande un prêtre, quoi. Non, mais en plus des choses auxquelles. Oula, par contre, ouais, vous voyez, là, il y a une balle, elle est partie sur le côté. Je n'avais pas vu. Ah ouais, non, ça fait ça, en fait. Ah, c'est marrant, ça. Ah non, effectivement, c'est bon. Alors, maintenant, on va prendre du texte. On va mettre un numéro. Oh, je suis sur une police Tintin. On va pas prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on va prendre comme police? Ah, celle-là, les chiffres sont pas très jolis. Police Milou.
Ah, police Dupont plutôt. Si c'est une police. Oh, celle-là, elle peut être un peu sympa. Non, à part faire deux fois la même erreur. Remarque, j'ai gardé, et ça je crois que c'était Cyril aussi qui m'avait filé l'info, la police pour les dyslexiques. Ça fait 2-3 fois où que je l'utilise. Et c'est vrai qu'elle match, elle match vraiment pas mal. Hein. Donc, faut se dire que tout ce qui est en bleu va être découpé. Donc, tac, on va descendre. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on note tout ça? Je pense qu'on va devoir faire un truc dans le genre là. C'est pas évident quand même. Je suis bien content d'avoir le dispositif à côté. Attendez. Ça va pas là mon truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon, c'est ça. Donc il y en a une là, parce que je veux prendre du dessus, oui. Ah bah oui, du ponté ou du pondé, effectivement, telle est la question. Salut Ice Warrior. On va voir si cette police-là, elle a un tiret intéressant. Oh oui, elle a un tiret intéressant, dis donc. Du coup, on peut faire un truc dans ce genre-là. Oh, regardez comment ça va être bien. Est-ce que... Tac. Tac. Alors là, c'est bon. Bah là, ça va être un peu chiant. On va peut-être se le mettre de l'autre côté. Tac, tac, tac. Alors on essaye. Hein. On voit ce que ça donne. Non. Rien ici. Ouais, ça. Trois. Ouais, c'est pas mal. Alors le 4, il va être un peu bouffé par la vis. Mais il y a moyen que ça fonctionne quand même. Sinon, en dessous. Hein. Sinon, en fait, même carrément comme ça. S'il y a un doute. Hop. 4. Par contre, le 11 et tout, je sais pas ce que ça va donner. 5, 6, hop. J'aurais dû copier. Salut Jean-Baptiste. Alors là c'est alors ce sera pas du vinyle, ça va être de la gravure laser pour le coup, parce que le vinyle j'ai peur qu'il très bêtement il s'abîme en fait. À raison parce qu'on en a déjà mis sur des robots et pendant les déplacements, tu sais, tu frottes etc, ça va s'enlever. Donc en fait je refais une surplaque avec la gravure. À la base je voulais faire une surplaque blanche. Mais je pense que ça sera plus visible avec du rouge. Remarque, avec du noir ce serait pas mal aussi, mais on va voir. En fait je me demande s'il faudrait pas que je mette l'écran comme ça quand ça va être gravé. Le 7 ressemble à un 1, mais grave. Du coup je me demande s'il faudrait pas. Alors regardez. On est truand ou on l'est pas. Et ici. Pourquoi le centre il est ici? N'importe quoi ça.
Hop, et voilà un magnifique set. Ah non! Ouais, alors attends. Pourquoi il va pas me le prendre? Bien celui-là. Alors. Ah. Hop. Et voilà. Un set. Magnifique. Ça fait ça de remettre la plaque dans la découpeuse pour éviter les chiffres. Alors avec celle du boulot où il y a une caméra, oui. Avec celle-là, avec celle que j'ai à la maison, non. Non, clairement pas. Après, bon, je sais pas forcément ce que j'avais en tête. En gros, je veux pas avoir à redécouper une grande plaque à chaque fois. Enfin, remarque, tu vas me dire, là, ça, c'est un peu ce que je fais. Mais en tout cas, pas aussi grande et pas avec la partie, tu vois, qui est arrondie. Parce qu'après, on va la modifier, hein, cette plaque. On va ici, on va ajourner. Pareil ici, on va essayer d'avoir quelque chose de plus arrondi. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une juste la surplaque en fait. Et si jamais il y a besoin de modifier, et bah du coup on est plus c'est plus facile à modifier si jamais ça se voit pas par exemple. Mais je sais pas pourquoi mon Alt Molette fonctionne pas en fait. À chaque fois que je fais ça, ouais le comment dire le. J'ai des fois des bugs où en fait ça me change mon clavier. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un machin mal configuré quelque part. Et du coup j'ai pris l'habitude de pas le faire à cause de ça. Alors 9. Ah là, c'est là que ça se complique. 10. Tac. En vrai, la police fonctionne bien parce que j'ai l'impression de faire un jeu de loi. Le 11 et le 10, ils sont relativement compacts, j'ai l'impression. De toute façon, on va... Ah, le 13, ça passe encore. Et 15. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... maintenant qu'on a ça... Tac. Remarquez, j'ai failli. Je me suis posé la question de est-ce que j'allais pas le vinyler, le machin. Mais en vrai, pff, trop de boulot. Puis vraiment trop fragile, quoi. Peut-être si j'avais la possibilité de refaire du vinyle à la coupe, pourquoi pas, quoi, mais. Chiffre, ma puce, parce que je sais pas, ouais, il y a. Alors, c'est pas une Logitech, c'est une SteelSeries, mais il y a des trucs très bizarres. De toute façon, globalement, le PC, là, vraiment, j'attends. Je sais pas si je vais attendre cet été, mais il va subir un refresh total parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs étranges qui ont été mis dessus. Et puis, il n'y a plus de place, de toute façon, donc il faut que je fasse un grand, grand ménage. Voilà. On repart à zéro, on fait une réinstalle des logiciels. Alors c'est toujours un peu dangereux parce que bien enregistrer tous ces configs, mais ça va lui faire du bien. Alors maintenant, la question c'est est-ce que... Parce que vu la forme du machin, est-ce qu'on arrive toujours au même résultat quel que soit...
la... Bah, si on le refait, quoi, en fait. Si, est-ce qu'on va réussir à retrouver exactement la même chose pour que ce soit efficace une fois qu'on aura bah, monté tout ça et gravé tout ça, parce qu'on ne pourra pas le changer. Du coup, on va revenir côté atelier. Voilà. On va reprendre notre dispositif. Hop. Allez, zo, descendez. Voilà. Et on recommence. Voilà. Voilà. Alors, attends, parce que là, j'en ai envoyé vraiment beaucoup. Normalement, je peux pas en envoyer plus de 3 à la fois. Alors, du coup, est-ce que là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10, on est là. Ouais. Là, c'est pas hyper... Alors, je vais difficilement le voir, mais... Il y a que peut-être des... Bon, on va essayer d'être un peu plus réaliste. Ok. 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 Ah, des fois il y en a une qui se met au-dessus, tiens, j'avais pas vu ça. Alors là par contre, j'ai un résultat qui est un peu différent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là on n'est pas trop mal. 6, 7. 8, 9. En fait, hop. Ah, tu vois. Ah, non, c'est bon, je l'ai pris. Bah, écoute, tant que ça marche, je vais essayer de le faire comme ça. Oh. Avec les pièces en plastique noir qui tiennent la plaque sur la forme des triangles, car sur ta photo, les balles se décalent dans le coin et c'est pas répétable. Bah ouais, ici là sur le côté, faudrait que j'essaye avec des pièces effectivement en triangle pour qu'elles remontent pas en fait. Bon, en tout cas, ouais, ça se voit en plus sur mon proto. Là, du coup, en fait, c'est répétable jusque à peu près là, et après au-dessus, on a des dingueries. Après, c'est pas on n'est pas une comment dire, c'est pas complètement incohérent, donc ça va encore. Je me rends compte que j'ai bougé ça, forcément. Il y a le problème aussi que la photo, elle n'est pas forcément prise de... bien de face, donc il y a un peu de... de mouvement, et notamment l'objectif. Il fait beaucoup. On va essayer de reprendre une photo. Ah ouais, là, la balle 9 et 10 sont pas du tout au même endroit. La balle 9 et 10 sont pas du tout au même endroit. Je me demande même si c'est pas ce cas de figure-là qui est le plus plausible.
Alors attendez, je vous montre ça. Hop. Yes. Voilà. Et là, effectivement, là, il y a un truc. Bon, mettons. Sans changer. On va remettre la... Est-ce que c'est lisible? En fait, la question, c'est ça. Parce qu'il va, il va arriver des trucs. La question, c'est est-ce que c'est toujours... est-ce qu'on est toujours à peu près bon, quoi? Pas besoin d'être d'une précision... de dingue, mais là, il y a un problème, là. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est bon. 5. Ah, 6, on est entre les deux. 7, 8, 9. Alors, on est plus bon. Ouais, là, il va falloir ajuster. Mais, là, on est dans une position où les balles sont correctement placées, entre guillemets. On va refaire un essai. Donc là, on ajuste. 7. Hop. 6. Peut-être ajuster envers le haut. Mais... Punaise, et ça fait remonter énormément. Hein. Parce que le 9 est là. La 8 est là. Et même celle-là, j'ai presque plus besoin de ça. La 11 est là. Ah oui, tout est décalé de 1 au bout d'un moment. Ah la vache. Tac, tac, tac. 11. Celle-là, on va la mettre de côté. Je vais reprendre une... Ouais, ça va pas rester comme ça. Pyram, c'est vraiment... j'essaye, en fait, graphiquement pour voir ce qui... Ce qui me semble être le mieux des deux côtés, mais probablement que ça va bouger. Probablement que ça va bouger. Parce que là, ça fait 13. 14, et la 15e est là, quoi. Voilà. Ok. Donc, essai numéro 2. Le 11 de l'autre côté, sinon c'est chelou à lire. Le 11 de l'autre côté, ouais. Ouais, alors sur les côtés, on verra, on va ajuster après. Hein. Même là, tu vois, je pense qu'il faudrait mettre des doubles. Ouais, il faut que je mette des doubles. Les angles sont pas bons, faut que je refasse un peu le... l'écran. Hein. Juste là, est-ce qu'on est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. On est pas mal. Hop! On va réessayer. Et finalement, on va se retrouver à faire que ça sur ce live? Non. Allez, wouh! On est reparti. Donc, là, on va aller faire deux par deux, tiens. Ah bah tiens, hop. Hop, voilà. 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 Tac. Oh, regarde, c'est pas rien. Non, ça va. Non, j'ai eu peur d'une dinguerie, mais ça va. Allez, hop. Le troisième. En fait, je pense que ce qui s'est passé de l'autre côté, en fait, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que je l'ai bougé, mon dispositif,
Comment? Et en le bougeant, en fait, les balles se sont remontées en fait à l'intérieur. Donc, bah voilà quoi. Du coup, blocage quoi. Hop. Donc mon premier essai était vraiment pas bon pour le coup. Ouais, surtout dans les angles. Salut Almi. Comment vas-tu? Alors, tac. On va le mettre bien. Bah écoute, ça va. Hein. Barbatronicien. Alors, là par exemple, là on est bien. Hein. Là c'est cohérent avec ce qu'on avait tout à l'heure en vrai. Bah, écoutez, on va garder ça. On va garder ça. Ça me semble vraiment pas mal. Bon, sachant que faut l'aligner. Là par exemple, on est bon. Là on est bon aussi. Là on est bien. Et là on est bien aussi. Alors, je le réaligne avec les axes, mais là c'est pas mal. Alors, celui-là. Voilà, je pense qu'on va en mettre des deux côtés. Systématiquement. La question c'est est-ce que... Ouais, je changerai pas de temps en temps le... Avec le... Remarquez, avec le laser, on peut faire des trucs. Hein. Attendez, on finit ça. Et après, on réfléchit à cette alternance de couleurs qui n'est pas sans me déplaire. Hop. Oula. Ah bah oui, forcément, l'angle n'est pas le même, puisque... Logique. Un double trait tous les 5 de valeur. Allez, les gars. Ouais. Alors, attendez. Là, je sais pas trop quoi faire avec ça. Je reviendrai plus tard. Hop. Hop. Voilà, nickel. Impeccable. Toup, il en manque un là. Il en manque un. Exactement. Mais je sais pas si ça va rendre bien. Alors, je pensais à cette alternance là, mais bon. Toup. Là, je sais pas trop quoi faire là. J'ai envie de mettre un angle, mais léger en fait. Genre comme ça. Et en dessous aussi, entre 12 et 13.
Entre 12 et 13. Ah, ça a été fait. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors. Comme ça, c'est une solution. Je trouve ça un peu trop. Mais bon. Ça semble trop plat. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a un truc aussi qui me va pas. Un, deux, trois. Bon, c'est pas complètement déconnant, hein. Pleuf, pleuf, pleuf. Ouais, je vais enlever les photos. Ah putain, j'ai tout foutu dans un calque comme ça. C'est pas propre. Ah, peut-être ça va garder. Surtout, j'ai que quelques soucis avec les sauvegardes sur mon PC. Ce qui m'interpelle et m'oblige à me demander si je vais effectivement pas faire une sauvegarde assez rapidement, parce que il s'est quand même passé des trucs bizarres. Donc, convoyeur bark, back, number. Hop, voilà. Je mets juste le numéro sur les balles sans les traits. Bah, j'ai peur que ce soit pas. J'ai peur que ce soit pas suffisamment lisible par les arbitres. La délimitation. Tu vois ce que je veux dire? Alors attendez. On peut faire un truc. Parce que là. Ça c'est du nombre. Ça c'est du nombre. Ça c'est du nombre aussi. On va reprendre tous les nombres. Il y a celui-là. Ah! Ah bah super. Génial. Ok, ça on va groupe. Si je fais ça, ok, j'enlève tous les nombres. Donc si normalement je fais ça, là j'ai tous les tirés. Tac. Donc ça, hop. C'est les tirés. Ça, c'est les chiffres, non. Voilà. Des chiffres et nombres. Drawing content, ça c'est laser. Magnifique. ça pourrait être rigolo d'avoir mis un ruban de LED, mais là, bon, plus pour maintenant. Tac. Ça fait un peu pauvre. J'ai peur que ce soit pas lisible. Après, faut se dire que les tirets, il n'y aura que le. Comment ? Il n'y aura pas l'élément intérieur, quoi. Il y aura juste l'élément extérieur. En gros, ça va être vraiment. Comme ça va être coupé. Écoutez, on peut faire un essai comme ça. Hein. Ouais, sans les tirets, ça me semble. Genre.
L'arbitre, j'ai peur qu'il me dise, ouais, on n'arrive pas à distinguer exactement où est la limite. Et il aura raison. Donc, on va juste les faire plus petits. Savoir qu'on va les rentrer un petit peu dans le. Voilà. Et puis on va essayer ça. Ça me semble être une. Merci Blanesos, bienvenue à toi. Ouais, voilà, ouais. Surtout avec l'alternance, ça va être. Ça risque d'être un petit peu difficilement compréhensible, effectivement. Sur le trait du 9, il sort en miroir contrairement à tous les autres. Alors attends, sur le trait du 9. Alors, sur le trait du 9. Oui, bien vu, c'est vrai qu'on avait j'avais fait un essai. Ok. Ok. Alors après, il y avait la question de alternance noir et blanc. On aurait pu faire un chemin comme ça. Ça serait très long pour pas grand-chose. Faut miroir à l'horizontale encore. Ah oui. Ben non. Ah yes. Tac tac. Ouais, mais alors attends, il n'y en a aucun qui est dans le même sens quoi. Les deux, oui, mais regarde. Regarde là. Là, il y a un truc bizarre là aussi. Ouais, non, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on va pas s'en faire pour ça. Je pense que vu la taille de la gravure. Alors. Image. Tac. Tac, c'est bon. Attendez. Bon, celui-là, il était pourri. C'est l'exemple qui a pas marché. Eh bien. Parce que là, c'est une photo différente et pourtant c'est le même truc. Eh ben écoutez, je le laisse volontairement. Est-ce qu'on mettrait pas des petites images de cerises? Et non pas celles de Groupama, hein, on est d'accord. On va prendre les fruits. J'allais dire les légumes, n'importe quoi. Cherry. On a une petit logo de cerise. J'ai la flemme de faire. Oh, bah celle-là, elle est pas mal. Ça va. Hop. C'est que je viendrai personnellement les refaire toutes dans le même sens aux marques. Oh mon Dieu, cette cerise est énorme. Attendez. Hop. C'est pas bien. Hop. Ah non! Hop. Cerise. Des inserts en forme de cerise. Tac. Ici. On va faire. Tac. Tac. Moi je dis ça va. On peut peut-être diminuer la taille comme ça ici. Oh, c'est rigolo. Est-ce qu'on peut en éditer pour n'avoir que une seule cerise? Poigne. Là, on va durcir les traits. Magnifique. Hop. Le hack du logo. Tac. Oula, par contre, la feuille est un peu grosse. Non, je peux.
faire un truc dans ce genre-là. Ouais, parfait ça. Ah, attends, est-ce que c'est dans un autre sens? On l'a tourné. Oui, non. Allez. Hop. Magnifique. Ici, il nous manque un truc. J'hésite un peu. En fait, le... Je peux remettre une cerise, hein, mais... Je pourrais pas mettre un gâteau, à la limite. Un petit gâteau, un petit cake. Ouf, ça c'est compliqué. Inspiration. Une part de cake. Ça c'est pas mal, mais ça va pas trop avec notre cerise. Attendez. Ah! On va le mettre ici. Un hot dog. N'importe quoi. Attendez, on va revenir en arrière. Ça, c'est plus rigolo, ça. Ah, c'est cake. Hein. Qu'est-ce qu'il a mis, cake? Bienvenue, Knux. Hop. Le logo du règlement, sinon. Ah, c'est pas con, ça. Mais j'ai peur qu'il soit petit, en fait. On va essayer le logo du règlement. Est-ce qu'on peut avoir... J'ai pas la version SVG par contre. On va tricher un peu. Hop, j'ai la flemme. Bloop. 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 Appliquer. Bloop. Bloop. Ah, on va... Attendez, on va maroufler. Par contre, j'aimerais bien n'avoir que le contour. Magnifique. On va changer le design de la cerise qui n'est pas en accord avec les cerises qu'on a là. On va reprendre cette cerise. Hop! On va pas faire comme ça. Hop. Différence. Peut-être s'en sortir comme ça. N'inquiétez pas, on va corriger ça après. Hop! Magnifique. Ni vu ni connu. Par contre, le point dur comme ça, pas ouf. Super! Regardez. Incroyable. On s'y croirait. Tac!
Il était comme ça, j'aime bien le fait que ce soit un petit peu comme ça. Et par contre, on va rechanger la feuille. Je peux la tourner. J'ai rien à tourner. Comment je peux faire ça? Je sais pas si j'ai. Oui, en fait, je me suis fait un peu chier pour pas grand chose. Effectivement, on va agrandir la cerise, c'est pas grave. Peut-être ça, est-ce que je peux? Par contre, j'aimerais bien avoir au moins une des couches en noir. Ça serait un peu mieux. Hop. Ouais, j'étais censé faire du. Oula! Oula, oula, oula. On se calme. Tac. Oh, vous inquiétez pas, tout va bien. Ceci est réalisé par un professionnel. Hop. Magnifique. Oh! Écoutez, comme ça, il reste le petit marqueur. Hop. Hop. Parfait. Bon là avec le 11, le 6 et le 7, y a pas tant de place que ça, donc qu'est-ce qu'il y a comme élément sur la table qu'on pourrait... remettre à la limite. Ah oui, c'est vrai qu'on avait mis des noix. Ouais. J'en aurais mis deux en noir, le bas et le dessus. Marron et rose. Bah ouais, mais je voulais garder ce petit effet là. Du coup, après au laser, bon. Salut le Popeye. Oui, l'échelle sur la cerise et le gâteau, effectivement. Par contre, je vais descendre un peu ça. Voilà. Et c'est pas mal. Écoutez. Si on voulait être un peu... faudrait qu'on bouge ça. Hop. Comme ça... C'est un petit gâteau, effectivement. C'est un gâteau-nez. Pourquoi ça doit être interdit? Ah, tu veux dire de le mettre à l'arrière du dispositif? Après de mettre un QR code là, mais... Ah, ils le verront pas, mais oui, effectivement, ça sert pas à grand chose. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah écoutez, moi je dis que c'est bon. Hein. Je dis que c'est bon. Alors, on va faire un truc, c'est que on va dégager les images. Parce qu'elles vont perturber le... Je vais devoir les supprimer complètement. Parce que je suis pas sûr que le logiciel, sinon, va les prendre correctement en compte. Donc, là, on est bon. Le laser, on va le remettre en noir. Parce que... en rouge, pardon. Parce que sinon, pareil, le logiciel va pas comprendre que c'est de la découpe. Ok, maintenant, est-ce qu'on laisse comme ça?
Ah oui, c'est pas de l'anti-jeu. Bah, en vrai, le truc, c'est que si tu mets effectivement des éléments qui pourraient, je sais pas lesquels, hein, mais imaginons, hein, déstabiliser l'adversaire, effectivement, un QR code en plein milieu du robot, oui, je pense que là, tu te fais allumer. Bon, tu passes pas l'homologation, hein, dans tous les cas. Salut Vincent, merci beaucoup. Et bonsoir à toi aussi. Allez, je change de... Réfléchissons. Je me pose la question de garder ces éléments. Ou juste faire un arrondi. Comme une plaque, quoi. Alors, la largeur 82. Alors, par contre, 0,1. 0,1. Hop. 5. La hauteur. Boum. Voilà. Parfait. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! Salut Sbompa! Passant de voir la skin des Elser avec le Zem en plein milieu. Quoi? Ah oui! tac! Ah mais du coup, forcément, il va me le sélectionner. À tout prix et c'est pas centré. Alors, clac, clac. On va le centrer sur le premier sélectionné. C'est bon, c'est bon. Chemin, contour en chemin. Oula. Pourquoi j'ai un. Ok. Ouais, soit, c'est pas très grave. Ah non, si, c'est grave. Mais... Ça vient d'où, cette histoire? Ok. Donc là en fait les contours étaient... Mais non mais... Bah si du coup attends... Il y a un schmil un peu embêtant là. Il était pas coché avant ce truc? Bah. Comment ça se fait quand je le redimensionne, il fait un truc comme ça? Ça sert à quoi si... Ok, bon, pas grave, tant pis. On va l'ajuster un peu à l'arrache. De toute façon, ce qui est intéressant... C'est
c'est surtout que on garde les proportions des trous par rapport au perçage interne. Voilà. Alors là, notre rectangle, il est où? Il est tout en haut. Clac. Ah oui, ça c'était notre cerise. Cerise. Pas du tout. Si. Cerise. Contour. Magnifique. Comme ça, tout ça, hop, on supprime. Par contre, j'avais des doubles traits très étonnants. Alors qu'on avait corrigé le problème. Bah alors! Hop. Impeccable. Par contre, je suis interrogatif par rapport au... Attends, on va cacher les cerises. Hop, les tirer. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Ah. Voilà, donc j'ai bien fait de me méfier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dupliqué quelque chose à un moment. Et ça, le problème, c'est qu'à la laser, il m'aurait fait le double du trait. Donc, on va corriger ça. Voilà, il y en a pas pour longtemps. 5 minutes. Hop. Et ensuite, on va pouvoir passer à notre brave petite découpe. Tac, tac, tac. Alors, j'en ai pas oublié. Si. Faire en bas. Magnifique. Oui, voilà. Et j'ai un beau passe. C'est quoi ça? Rectangle 1, 2, 3. J'aurais tenté. Et par contre, tout ça, c'est... Non, tout ça, c'est... Non, c'est non. C'est quoi tout ce bazar, en fait? Là, j'ai bien les perçages. Et le... Bah oui. Hop. C'est d'ailleurs dans laser. Tac. Ça, on va même le remettre en haut. Et on va supprimer ces groupes qui servent à rien. Enfin donc. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. On a un truc. Oh, c'est marrant, il veut pas me les. Il veut pas me les sélectionner. Avec le shift. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon. On va
Alors, c'est génial, j'ai mis 0,2 mm, mais il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est bizarre. Ça et ça, c'est la même épaisseur. Bon. Soit. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, hop, il va falloir qu'on le tourne parce que notre gravure, elle se fait sur la surface supérieure parce que j'aurais pas la place sinon dans mon laser pour pouvoir faire ça. Et dans propriété du document, on va bien mettre la page. Voilà, en paysage. On va se mettre, voilà, le plus haut possible. Impeccable. Et ben voilà, on est bon. Donc maintenant, le laser. Et on va essayer de travailler là-dessus. Alors, où est-ce qu'on l'a foutu? Déjà, on va voir s'il s'ouvre correctement. Je mets le laser. Ok. Ah bah voilà, nickel. Alors le noir c'est de Lingrave. On va rester à 100. Par contre on va ajuster derrière la puissance. Et vector cut à 7. Ok. On va tracer le design de contour. Alors. Que je vais la mettre un petit peu à l'intérieur. Parce que j'ai un peu peur. Alors là, normalement, on devrait être dedans. Allez, c'est parti. Hop. Bon, pendant que ça grave ça, on va pouvoir réduire ça. On a terminé, voilà, clac, ça c'est bon. Et du coup on va pouvoir, alors est-ce que je fais ça tout de suite? En fait j'ai pas les comme j'ai pas les capteurs. C'est un petit peu embêtant. On va ouvrir le bal convoyeur. Oui. Alors, ah, okay. Actuellement, on a cette plaque là, qui fait pas toute la longueur.
et c'est là-dessus, à l'intérieur, qu'on va fixer les capteurs. Donc, je vais reprendre. Alors, les capteurs, je dis les, mais en fait, l'idée, c'est d'en mettre qu'un seul. Ici, à plat, au milieu. Donc, fixé sur cette... sur cet élément là mais du coup il faudra comme sur les capteurs les trous sont sur les côtés à l'avant là, il va lui falloir un petit une petite impression 3D. Alors il y a soit cette solution là, soit non, on va faire ça. Allez, hop. Alors par contre c'est la plaque, on pourra lui mettre des yeux aussi comme ça. On mettra un œil là, avec l'ouverture au milieu, ça sera incroyable. Ça sera infâme. Bah, où est-ce qu'elle est cette poignée, extension, capteur bord. Ah oui, c'est une pare-balles. Parce que c'est la plaque qui nous sert aussi de, à régler pour éviter que les balles retombent. D'ailleurs, il faut que je me dise, il faut que je modifie aussi ces deux plaques-là. Ça, après. Donc, le pare-balles. Je poigne. Lui, on va l'augmenter, mais pas trop pour éviter... que on puisse plus le régler, donc on va se mettre jusque là, qui me semble être une bonne hauteur. 68, voilà, nickel. Voilà, donc là on a un gros machin à l'avant, et du coup, dedans il va falloir qu'on insère notre capteur dont nous n'avons pas. Merci, Psycho. Bonsoir, quel plaisir. Ah bah écoute, avec plaisir. En rentrant du boulot, oh là, bosser le dimanche. Eh ben écoute, bon courage à toi pour ça. Et en tout cas, ravi de t'avoir sur le live également. Alors, ici. La question c'est, est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des dimensions de ce capteur ou est-ce que je suis obligé de démonter celui que j'ai? Alors, Sharp. 30, 20, 13. Ok. Wiki. Ah, Wiki. J'aime bien ce Wiki. Est-ce qu'on a des informations? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, vous mettez pas un petit dessin? D'accord. Bah ok. C'est léger. Alors. Ah non, attendez, c'est combien? C'est l'inverse. 50 NK. Ah, c'est celui-là que j'ai aussi. Mais qui marche beaucoup moins bien. Tiens, d'ailleurs, pourquoi je tombe sur celui-ci alors que... Alors, chez Gotronic, est-ce qu'on n'aurait pas un petit dessin, s'il vous plaît? Ouh, sponsorisé. Non, j'aurais pas dû cliquer. Hop, revenons là. Non. Ah, eux, ils donnent 31, 25, 14. Je vais être obligé de mesurer. 30, 20, 13. Mais qui a raison? C'est exactement le même capteur. Hein? Alors. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas eu la bonne idée l'année dernière de modéliser? Open. Alors, le repo de l'année dernière, Mechanical Parts. Actionneur réplique. Ah non, pas actionneur réplique. C'est pas ça. Vitrine. Let's go. Punaise, on mettait des versions à l'époque. Incroyable. Ça, c'est la version 1. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Oh non!
Bah ouais, j'ai fait au plus simple, je l'ai pas modélisé. Ah. Bon. Bah on va le démonter. Je voulais pas faire ça. Hop. Hop. Et zoup là. C'est bon. J'ai le capteur et je vais l'amener de mon côté pour pouvoir faire la mesure. Je te jure ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Oui, d'habitude. Attends, vas-y. On est là, je vais te faire la. Ah bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Pardon, je suis con avec du moment. Et bah même pas, Muriarty, on va pas le grabcad. Non, non, mais on va pas. Ça sert à rien, on va pas le modéliser, enfin. Enfin. Non. Non, on va rester. On va rester sur une. C'est absolument infâme ce bleu. Ah, merci. Non, il y a pas besoin. L'année prochaine, je vais faire exactement la même chose. On va faire le trou et on va le modéliser si on a le temps. Notez-le si on a le temps. Est-ce que j'ai. Non, c'est bon. Alors, on va le mettre à plat. Et il fait bien. Ah, Gotronic avait raison. Et DF Robot, c'est jamais leur fort, hein, les infos. Hein. C'est toujours très, très voilà, approximatif. Là, on a un truc qui fait 13. Ah. Mais si. Nickel. Et donc, il y a deux trous qui viennent là. Nous, on va faire une petite impression 3D. Et donc, du coup, avec, bien évidemment, des inserts. Hop, trou. Ah, le laser, il fait plus de bruit. Ah, vous avez plus le laser plus PC. Au cas où ça prendrait feu, comme ça, vous pouvez me le dire. Hop. Voilà. Alors, l'écartement de ces deux perçages. Sauf que si on fait 25, on va tomber sur les trous de l'autre côté. Donc, on va pas faire ça. On va mettre moins. On va mettre plus. Est-ce qu'on va mettre plus? On va mettre moins. 15. Ans. Tac, tac. Et 10. Parfait. Voilà. Et ceci sera... hop. Voilà. Notre perçage pour notre capteur. On va mettre un petit. J'ai mis des chanfreins là, et donc du coup, bon, on va mettre des chanfreins là aussi. Hop. 2. Et on a de la place. Je pense que je vais mettre des chanfreins au-dessus. Ça va pas gêner. Le capteur, donc j'aime pas mettre des angles vifs comme ça là. Donc on va mettre ça aussi ici. Voilà. Bon, maintenant ça c'est le pare-balles, il est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre petit équerre là ici qui nous permet de fixer notre capteur. Et pour ça, on va créer une nouvelle pièce
On est toujours dans le balcon conveyor, donc c'est bon. L'origine, elle est où? Elle est là. Est-ce que je change l'origine? Hop. Voilà. Et on va venir l'amener dedans. Hop. Comment je vais... Bah, on va faire directement comme ça. Voilà. Plop. Donc, premier trou, deuxième trou. Tac, 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 symétrie. Tac, tac, perçage. 4, 6 pour les inserts. Bam. Là. Non. On se met à 15. On se met à 10. Ça, c'est ce qu'on avait dit qu'on ferait. Hop. La pièce, donc. Pareil, hop, symétrie. 31. Voilà. Et là, bon, on va décider. Hein. On va se mettre à 15. Allez, hop, parfait. C'est vraiment une toute petite pièce. Dans l'autre sens. Et jusque là. Bon, on va faire 15 aussi, tiens. Hop, 15. Parfait. Hop. Crée notre pièce sur le dessous. Ok, si tu veux, si tu veux. Hop. Voilà, donc là, rebelote, symétrie. Là, par contre, on va se mettre à 25. Donc là, c'est les perçages de... Oh, je vais vous montrer un truc incroyable. Je le ferai pas souvent après, mais... Enfin, faut que je vous montre. C'est incroyable. Et on va revenir ici, parce que là, ça me plaît pas. J'ai pas assez de place. Donc, on va passer à 36. Beaucoup mieux. Voilà. Et ça, ici, hop. Enlèvement de matière, reverse. Est-ce qu'on passe sur les côtés? Non. Oui. Oui, ça suffira. Je suis pas obligé de passer à travers tout, mais bon. Plus sécurisant. On va augmenter un peu. On va monter jusqu'à 40. Ah, ça on sera sûr. Parfait. Tac. Attendez. Quel sens je vais l'imprimer? Comme ça. Tac. 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 Ok. Là, on va faire les chanfreins pour les inserts. Impeccable. Et en dessous, on va faire un petit chanfrein d'impression 3D à 0,4. Voilà, parfait. Parfait. Là, on est bon. Quand même, aller voir un petit peu la laser, ce que ça donne. Oh la vache! Ah oui, c'est bien marqué, hein. Je me demande par contre s'il va pas falloir que je mette un peu de colorant à l'intérieur en noir pour que ça soit bien visible. On verra, mais par contre je suis bien passé, c'est bien, c'est bien. Bref. Attendez, les perçages que j'ai fait là. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais, j'avais pas fini. J'avais pas fini, enfin. Voilà. Salut Iconis. Clac, clac, clac. On est bon. Alors, ouais, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est, on va mettre ça dans un part. Et on va en mettre ça. Bloc 90 sensor. Hop, on va lui donner... Non, mais tu peux rester. Voilà.
On va lui donner la couleur de nos imprimantes 3D, nos pièces imprimantes 3D, à savoir du noir. Le dernier chanfrein, on va chanfreiner ça aussi. Ça, ça sera fait. Voilà, impeccable. Voilà. Et du coup, là on se dit, c'est bon, mais en fait, j'ai découvert un truc. Et peut-être vous le saviez déjà, mais moi je ne savais pas. Dans Fastener, ils ont rajouté les inserts. Ce qui fait que... On sélectionne ça. On peut mettre... Bon, alors là, ils sont pas bons. Les inserts. Alors là, hop. Data M3. Parfait. Voilà. Et... Hop. Tac, tac, tac. Ces deux-là sont inversés. Impeccable. Du coup, boum. On n'a plus qu'à mettre une petite apparence... gold, voilà, et nous avons un modèle avec des inserts incroyable. Salut Moustique, tu as toujours ta cac? Bah écoute, regarde, elle est toujours là, toujours fringante, toujours efficace. Et hop, ça on va le mettre dans part. Rename, on va mettre ensemble bloc 90 sensor. Voilà. Oui, je mets de l'anglais, du français, de la journée. Voilà. Ça, c'est ma visserie. Ah oui, ouais. Insert bloc. Ah oui, non. Regardez, on va faire une dinguerie. Visserie. Bloc, voilà, parce que on sait que ici et ici c'est pour fixer sur le devant, donc on va prendre, que je dise pas de bêtises, voilà, nickel, tac tac, et il les a mis en M2, tout va bien. Oh, il les a pas mis en, ah oui, à cause de ça. M3, c'est bon. Le lens, on va se mettre sur du 10, même aller jusqu'à du 12, hein, quand même. Hein. Et on va se mettre un petit offset de 3 mm, puisque c'est vissé sur... Voilà, parce que c'est vissé dans la plaque en acrylique. Boum, boum. On change la... Zut, parce que je vais faire... On change la couleur. Tac. On met ça dans le visery block. Maintenant ça, on le met dans balconvoyeur. On affiche balconvoyeur. Transforme ça. Choup. Et voilà. Magnifique, n'est-ce pas? C'est bon. On a notre bloc. Hop. Alors... J'ai un problème avec le modèle, par contre, que j'ai dû faire une bêtise. À chaque move, il plante. Et donc, je sais pas si c'est moi ou si c'est le modèle, on verra bien. Ah, t'as vu, à propos des imprimantes 3D UV, photopoly en résine. Oula! J'ai plus connu ça avec filament PLA, mais pas utilisé. Et pas utilisé, mais entendu PLA. Merci d'avance. Les imprimantes résine, en fait. Tu demandes des questions sur les imprimantes résine, j'imagine. Allez, si tu es un vrai concepteur. Ah bah, j'avais pas vu là. J'avais pas vu ton message, Pierre. Ah voilà, tu vois. Regarde, incroyable. Changer la carte contrôleur pour pouvoir utiliser Lightband avec. J'hésite encore un peu à le faire, mais juste j'ai pas le temps. Et mais peut-être un jour ça va me. Je vais y venir. Un jour. Très probablement. Bah écoute, moi j'ai essayé, la seule imprimante résine que j'ai essayé, c'est celle du lab, et c'est une Frozen. J'en suis content, j'imprime pas des masses avec. Ah non, il y a un problème. Où est-ce qu'il me met? Ouais, il me met là.
Ouais, j'ai fait une bêtise. J'ai dû faire une bêtise quelque part, je sais pas où, mais j'ai dû faire une bêtise. C'est pas très grave. Hop. Mais oui, j'ai pas d'autres infos à donner. Je suis pas forcément le meilleur là-dessus. Parce que j'ai jamais utilisé à fond cette technique. Par contre, effectivement, j'ai 24-70, on en est plutôt content au boulot. Donc, pour faire ce qu'on fait. Juste, je dirais que le conseil, c'est effectivement de ne pas se mettre dans un espace où t'as pas d'eau ou ce genre de choses là, parce que sinon ça va être l'enfer pour nettoyer les pièces, faire le post-processing, etc. Et aussi ventilation. Voilà. Mais sinon, à part ça, je te dirais si les 500 € investis valent le coup lors de mes essais. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Après, t'as vu que sur le Discord, il y a quelqu'un qui vend une carte justement spécifiquement pour faire ça. Hein. Ventilation thermique ou chimique? Ventilation? Je suis pas sûr de comprendre ta question, Iconis. Une ventilation thermique? Alors, si t'entends les VMC, moi. Alors, oui, une salle où t'as une VMC, c'est quand même mieux déjà. Pour ventiler à la chaleur ou l'odeur? L'odeur, les particules, l'odeur, oui, pardon. Oui. Ok, c'est bon, j'ai pigé. Yes. Hop. Ah non. C'est ce que je voulais faire. Alors, je vais me mettre dedans et je vais créer une part dedans. Ah, yes. Alors, ça va être... Sensor 50 NK. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Oui. Non, c'est bon. Et du coup, on va prendre le boîtier. Ok. Tac. Voilà. Et dans le boîtier, on va créer notre boîtier. Voilà. Impeccable. Voilà. Alors, le boîtier. On fasse pas de bêtises, si on met comme ça. Ok. Tac. Capteur, à part poser, je cherche une assurance plus indoor, c'est trop bruit indoor. Bah ouais, là, honnêtement, demande conseil sur le Discord, parce que moi les résines, je veux pas conseiller un truc sans que voilà, sans avoir vraiment de d'avis très précis dessus, ce serait vraiment pas malin de ma part. Ouais, regarde plutôt sur le Discord. En vrai, pose la question. Il y a des gens qui ont déjà largement fait l'expérience de ces bécanes-là et qui sauront plus facilement te conseiller.
Ouais, moi je risque probablement de dire des bêtises. Alors, de là à là, on a 3,5. Et... j'ai 25,5. Par contre, combien on a mis tout à l'heure? J'ai l'impression qu'on a mis 26. Ouais, on a mis 25 quoi, en fait, donc ça va pas du tout. On va corriger ça. Hop. Ok. On va revenir sur le bloc. Ici. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. 25,5. Close. Non, nickel. Quand les gens qui bossent avec des élégous, c'est sympa pour changer les résines, c'est un peu long, faut acheter le bain d'alcool plus fort, UV, c'est pareil. Donc ça, c'est pareil que pour la Frozen, pour le coup. Comme c'est très cher, mais en 2 minutes, tu peux changer des résines si tu veux. Après, alors je vais corriger ce que j'ai dit. J'ai pas utilisé qu'une Frozen, j'ai aussi utilisé une Formlabs. J'ai trouvé quand même que la Formlabs était un peu chère pour ce que c'était à l'époque. Voilà, c'est peut-être amélioré depuis, mais à l'époque, j'ai trouvé ça très cher pour ce que c'était. Hop, puis la gravure, elle prend un temps. Je pas regardé combien de temps en fait. Ah, j'aurais dû centrer dès le début. Bon, c'est pas grave. Alors, 6 et 7. Hop. Ah, sauf que c'est quand même mieux que les autres. Baf. Elle a combien la Formlabs hein, actuellement? Près du milieu d'euros que des 500 euros quoi. Oui voilà. Oui, exactement ça. Oui, on est bien d'accord. Je peux rajouter le mot de forum si vous voulez, ouais, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, incruste-toi, t'embête pas, le Discord est pas surchargé, en vrai, donc ne t'inquiète pas avec ça. T'inquiète, ça va intéresser du monde, il n'y a pas de problème, ça gênera personne, faut pas trop s'embêter. Hein. J'aurais pas dû faire ça, je fais des conneries. Hop. Ouais, c'est pas très propre. On a compris l'idée. Touc. Touc. Et forum pour revenir à la mode. Mais en vrai, les forums c'était pas une si mauvaise idée que ça. Hein. C'est juste que l'immédiateté de la société a pas réussi à les conserver, je pense.
pense que j'étais plus actif sur plein de forums que sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai dû très certainement poster plus de messages sur les forums dans ma vie que sur les réseaux sociaux. Clairement. Mais je pense que c'est générationnel aussi. Et déjà, ma génération, je pense que les forums, c'était un truc un peu de... C'était un truc un peu vieux à l'époque. Hop, est-ce que je peux créer un... Yeah. Touk. Close. Oh, est-ce que je peux faire un truc incredible de je prends ça et je... Si je fais OK, ça fait quoi? Ça fait que... Ouais, ça le fait à l'intérieur. Bon. Non. Alors. Tant pis. Hop. Tac. Tac. Pour l'instant, je vous ai pas lu depuis un petit moment. Voilà, Labs 3, le Wash Cure, c'est... Ouf. Ah oui, c'est vrai que c'est des cartouches en plus. Ah oui, le grand nom de l'histoire, c'est ce qu'on peut trouver le contenu des forums. Attends, le grand drame de Discord face au forum, c'est qu'on peut trouver le contenu des forums sur Google. Ah oui! Oui, oui, oui. Bah oui, oui. Après, bon, le but d'un Discord, c'est aussi d'avoir quelque chose, de garder un certain entre-soi. Donc c'est pas complètement, comment dire, déconnant d'avoir un... oula non, ça se trouve... de pas être complètement détectable et qu'on puisse pas trouver les infos directement sur un moteur de recherche. Quoique maintenant, tu tapes Discord sur Google, t'as pas le contenu, mais t'as le... Quoique je sais pas, en vrai. Parce que ça a un peu changé, ça. Oh, qu'il est beau ce capteur, incroyable. Incroyable. Tac, tac. Tac. Hop. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Certainement, chant. Hop. Voilà. M3. Hop. On va changer. Ok. Close. Et il ne me reste plus qu'à récompute. Et voilà. Incroyable. Le boîtier, le sensor. Par contre, comment ça se fait que... Non. Allez, dans hier, ça. Bon, bah c'est pas mal, ça. Voilà. Donc lui, c'est fait. Et du coup, on va pouvoir exporter... Je suis un peu content de ça. On a fait ça vite, mais c'était pas dégueu. Oh, les noms à rallonge des fichiers STL. On va pouvoir remonter le capteur, du coup.
On avait créé un forum de stream, on a tenté de le faire durer un temps, on a dû ça. Ouais. Mais tu vois, après, tu dis rassembler les générations, mais je sais que beaucoup de mes étudiants, Discord, pour eux, c'est déjà aussi passé, quoi. Discord, WhatsApp, c'est déjà, ils sont déjà sur un autre truc, quoi. Et en fait, ce qui est étrange, même, je me rends compte d'un truc, c'est que ils sont pas sur un truc qu'on connaît pas. C'est juste que la tendance à comment dire, à se regrouper sur des gros trucs, c'est inversé. Et ils préfèrent être dans des cercles qui sont plus privés, avec leurs trucs à eux, et ils ont beaucoup de mal à communiquer avec d'autres cercles séparés ou avoir des grosses communautés en fait. C'est un peu surprenant. Incroyable, c'est fini. On va pouvoir. Vector Code, faut juste que je change la puissance. C'est parti. Alors, ici, nous avons une pièce terminée en 33 minutes. Ça manque d'un caribou. À l'avant là? Ah oui, mais attends. Oh! Attends! Attends, attends, attends. Ça ne sera pas fait aujourd'hui, ça. Bien sûr que ça manque d'un caribou. Bien sûr qu'il va se passer quelque chose ici. On va laisser un peu de suspense. Non, en fait, j'en sais, j'ai aucune idée de ce que je vais faire là. Mais je vais faire un truc, ça c'est sûr. Alors, ici, save to disk. Non, pas du tout save to disk. Attends, qu'est-ce que c'est que ce remplissage à la noix? Ouais, 20%, ouais. Voilà, là, merci. Hop. Hop. Faut que j'imprime, faut que j'allume ma mémoire. C'est que l'info ne fait que se traîner. Partir dans l'obsolescence, il était dans l'escorne, on les fait si elle se. Si ça ne traîne pas ailleurs. Et puis l'escorne, on peut concentrer, critiquer en commun, tandis que sur l'aide, c'est pas. C'était pas. Et vous pouvez le donner, c'est mieux sans. En ligne, ça donne des moyens de contrôler. Oui, je comprends un peu l'idée. Je suis peut-être pas aussi. Je pense qu'il y a aussi des endroits où ça s'est très bien passé sur des forums et des endroits où ça s'est très mal passé sur des Discord. Dans les deux cas, tu peux avoir le même effet que tu indiques. Néanmoins, effectivement, je sais pas. Je pense que finalement, c'est un peu la même chose, quoi, à terme. Attends, j'ai perdu mon fichier. Ah, c'est bon. Donc, en fait, je pense qu'il y a une fausse vision de sécurité parce que t'as l'impression d'être dans l'entre-soi, alors que c'est pas vrai du tout, en fait, alors que tout ce que tu vas mettre est quand même relativement public, quoi, en fait. Ouais, ça dépend des communes, je pense, effectivement. Et après, tu vois, je me dis aussi que les plus gros forums qui ont
je fais une analyse. Les plus gros forums, les forums qui ont perduré sont aussi les forums sur les plus gros, sur lesquels forcément tu retrouves plein de soucis du fait de la taille de la communauté. On pourrait dire la même chose de Reddit, hein, aussi, hein, c'est un peu sur le même problème. Hein. Alors, hop, regardons la laser. Pas trop mal du tout. On va alors ça faut que je le remette après. On va enlever nos balles. Allez, donc. Allez, on descend. C'est pas le meilleur tournevis pour faire ça, mais. Alors, par contre, effectivement, on voit pas des masses. Je pense qu'il va falloir que je trouve une petite astuce pour que ça se voit un peu plus. Voir peut-être le graver dans une autre couleur, quoi, en fait. Essayer de mettre un peu d'eau dessus pour nettoyer. En fait, on peut peinturer l'intérieur si on veut. Passer un feutre par-dessus. Bah alors, le feutre par-dessus, oui. Mais. Comment. Il faut que je. Toujours là. Il faut que je vérifie que le feutre peut s'en aller à côté. Sinon, ça va être dégueulasse. Nettoyer à l'intérieur tout de suite. Ah, c'est pas mal, hein, finalement. Voilà, nickel. C'est plus visible. Pas. Oh. Bonsoir. Oh mon Dieu, vous arrivez en force. Attendez, juste mon imprimante qui démarre en même temps. J'arrive. C'est bon, bonsoir, désolé, j'ai vu mon imprimante partir sans filament. Comment allez-vous ? Barbapala, oui, juste au moment du... Bon, j'espère que vous avez passé un agréable live avec Yorzian, parce que j'ai vu que vous parliez d'IA, si j'ai bien compris, si c'était bien ça le sujet. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Là, ce soir, regardez, nous avons lancé l'impression 3D d'un petit élément que nous avons terminé de modéliser. Et nous sommes en train de monter aussi une plaque que nous avons modélisée. Alors, à quoi ça sert, tout ça ? Voilà. On a un petit dispositif pour la Coupe de France de robotique, qui est un ascenseur à balles. L'idée, c'est de le robot déverse les balles ici, elles sont emmenées jusque derrière, et elles descendent là, et elles doivent être comptabilisées très facilement par les arbitres.
Donc on a refait une plaque, une surplaque devant que vous avez vu tout à l'heure, que je vous ai montré, qu'on va assembler parce qu'on vient juste de la terminer de découper au laser. Plaque sur laquelle on a fait... j'ai supprimé. Mais plaque sur laquelle on a fait des petits dessins avec des compteurs, etc. Donc on a fait tout un système, on a pris une photo, on a regardé si les balles tombaient bien en face, etc. etc. Et pendant que c'était en train de découper graver, on a remodélisé une surplaque ici avec... un capteur qu'on a aussi modélisé ce soir, et le système que vous voyez qui est en impression 3D, c'est le petit bloc qui est là qui va permettre de maintenir notre capteur juste devant le dispositif afin que en fait l'ascenseur se démarre uniquement quand le robot va arriver à une certaine distance. Voilà, salut Yurzian, salut Rocky Racer. Attends, oula. Moi, ce que je fais pour pouvoir colorer... Merci, Wolbite, merci beaucoup. Là, je mets du papier collant de peinture dessus, je fais ma gravure, ensuite je passe ma peinture dessus, puis une fois, sec, j'enlève le papier collant, la peinture, et voilà. Ah, c'est pas bête, ça. J'ai jamais essayé comme ça. Ça prend bien la forme. Eh ben, écoute, ouais, c'est pas mal. Bah, là, en fait, on l'a, hein, le dispositif, il est là. Attends, je vais juste déplacer mon chat, parce que sinon, je ne vais pas le voir. Voilà, hein, le dispositif, il est là. Il est quasiment fonctionnel. Hein. Il nous manquait, en fait... je reviens ici, toi. Il nous manque à changer, en fait, ces pièces-là, parce que les pentes sont pas bonnes. On a fait l'électronique hier soir. On va intégrer... maintenant, tout de suite. La plaque, juste devant. Ici, pour faire le comptage. Vous avez vu ? Magnifique. Et puis ensuite, il nous restera plus que les capteurs qui doivent arriver cette semaine. Donc voilà. Hop. Et donc là, maintenant, on est parti sur une partie démontage de toutes les vis. On va les changer parce qu'en plus, les vis sont un peu courtes. On doit mettre la plaque au-dessus. Et on va peut-être faire aussi un petit essai de comptage. Hop. Voilà, donc là on est sur des vis M3 par 6. On va les enlever. Parce que celles-ci sont trop petites, parce qu'on a 2 x 3 mm à passer plus les enserres. Donc on va partir sur de la M10. N'importe quoi. Sur de là, 10 mm. La M10, dans le robot, ce serait une première. Voilà. Hop. Et ça rend pas mal, c'est assez discret. J'essaie de vous montrer ça, mais... c'est vraiment pas trop mal. Et effectivement, il va falloir peut-être que je mette un petit peu de peinture, mais... en soi... ce sera pas si difficile que ça à mettre en place, à mon avis. Voilà. Tac. Ah, par contre, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que j'avais décidé d'arrêter à 23h30. Donc du coup, ça va être un raid un peu court. Mais bon, tout va bien. Ah, du coup, la pièce qui était cassée, elle est maintenue un petit peu, le temps que j'en fasse une nouvelle. Il faut des LED dans la tranche. Je me pose la question quand même. Hein. Alors, les LED sur le rouge, ça fonctionne pas des masses bien. Si je veux faire ça, il faudrait que je mette des LED... faudrait que je mette une plaque en transparent. En transparent, ça irait super bien. Mais en rouge, c'est pas ouf. Voilà. Bienvenue JBM. Hop. Donc maintenant. Hop. Si on l'allume. Ah oui, c'est vrai que du coup... l'arrêter, et du coup là 3, ça marche bien, hein. En vrai, on voit bien qu'il y a 3,
Là, on est à 6. Ah, là, il pourrait me dire... Ouais, non, petit, c'est bon. 9. Ouais, non, c'est bien. Ça se pose bien, les balles... Alors, c'est très difficile pour vous de voir, parce que c'est noir. C'est rouge, rouge sur rouge, c'est vrai que c'est pas... incroyable. Voilà, le seul défaut, c'est que sur la 15e, normalement, dans mes pronostics, on n'ira pas au-dessus de 13. J'ai pas la capacité d'en mettre plus que 13. Mettons, on va jusque 15. Il se peut qu'il y ait une balle qui passe au-dessus. Voilà, c'est le seul truc qui pourrait arriver. Mais au final, très très satisfait du résultat. Du coup, on va enlever. Oup. Notre dispositif. Voilà. Et ben c'est très bien ça. Hop, encore une chose de faite. Impeccable. Donc on va en profiter, on va remonter. Donc le capteur qu'on va utiliser, c'est les capteurs qu'on avait aussi l'année dernière, qui sont ces petits capteurs. Là, un capteur infrarouge. Très bon capteur infrarouge. Mais je ne veux pas les enlever du dispositif. Qui est ici parce que je veux garder le dispositif intact parce que je le trouve assez chouette. Par contre, je suis assez déçu, c'est que je ne retrouve pas le compagnon cube là, qui était au-dessus normalement. J'ai aucune idée de où est-ce que j'ai été le mettre et je suis un peu triste parce qu'il y avait des gravures sympas et il s'illuminait tout ça. Merci Iconis, bonne soirée à toi, merci beaucoup Epasem. Hop, fermez ça. Non. Voilà. Voilà. Je sais pas s'il fonctionne encore, si les batteries sont chargées encore. Ah oui, il fonctionne encore. Incroyable. Je voulais vérifier un truc, c'est est-ce que les capteurs... fonctionne à... Oui, 3 cm, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, c'est nickel. C'est vrai que c'est pas mal. Ça manque de LED, hein, comment dire... ce proto. Il y a la possibilité que j'en mette là, pour éliminer un petit logo, mais sinon, on verra bien quoi, on verra bien. Bon, en tout cas, très content de cette petite valise panier. Ça reste un panier, hein, il y a une petite poignée, donc c'est un panier, un panier un peu custom et technologique, mais un panier quand même. Bonsoir Arman, merci beaucoup d'être passé. Alors, en attendant les 10 petites dernières minutes de live, je pense que on va regarder un petit peu ces éléments là sur les côtés. Donc c'est stand droit, stand gauche, c'est pas ça. Carter board expansion, extension, extension. Voilà. C'est extension, extension. Sauf que. Bon, on va regarder cette extension. On va masquer voilà, le pare-balles, qu'on puisse voir quelque chose. Voilà. Et cette extension-là, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai fait une pente droite ici, pareil. Penché ici, mais il faudrait que j'ai un petit peu de dénivellement là. Alors, comment je vais faire ça? J'en ai aucune idée. Parce que, enfin si j'ai une petite idée, mais j'ai peur que ça casse tout, parce qu'ensuite, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai fait comme montage. Donc là, on est bon en termes de congé. Ah, là déjà, on n'est plus bon. Voilà, donc c'est à partir de là, et du coup, il faut que je lui dise... suppresse ou alors je supprime
tous les... Je peux faire ça, je peux supprimer à la limite tous les chanfreins et puis les filets, je peux les... ça c'est des choses que je peux changer par la suite. Ah ouais, mais alors du coup, comme je m'en sers comme base... Bon, on va pas pouvoir faire ça. Oh putain. Ouais, ça va tout me casser. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. C'est celui-là qu'on va supprimer. Oui. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, lui, on est bon. Ok. Ah non, c'est celui-là qu'il faut que je supprime. Voilà. Là, lui, il veut chanfreiner ces deux trucs-là. Il ne sait pas le faire. On va lui redonner les bons éléments. Ah ! Voilà. Nickel, c'est bon. Merci, Boulabite. Bonne nuit à toi. Le chanfrein 24 est bon. Et eux, c'est bon. Donc, en fait, il va nous rester ces deux trucs-là à bouger. Mais, avant de faire ça, on va faire un draft. Alors, pas dans ce sens-là. Neutral plan, on va faire celui-là. Non. Neutral plan. Celui-là, magnifique. Et on va lui foutre un... Voilà. Incroyable. Bon, alors du coup, lui, il est pas bon, mais on s'en fout. Et il ne nous reste plus qu'à faire un magnifique, pas du tout. Voilà, super. C'est très bien ça. Voilà. On remet notre chanfrein ici. Voilà. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, c'est mieux. Voilà. Par contre, le draft, on va le descendre un petit peu parce que là, j'ai un peu... J'ai un peu abusé dessus. Ok, donc là maintenant ça va nous permettre de ne plus avoir des balles qui se coincent sur les côtés. Donc, il va falloir que je réimprime ce modèle. Mais bon, c'est pas grave, il va falloir que je le réimprime en deux fois. Et il nous manquera plus que... Voilà, cette surface-là. Et cette surface-là. Voilà. À chanfreiner. Alors, de l'autre côté, on avait fait donc notre carter, c'est bon. Link extension, ça va falloir que je le change. Tac, tac, tac. Ok, et vous voyez, ça arrive bien au bon endroit. C'est parfait. On va finaliser ça. Ouais, pourquoi il veut pas? Apparence. Ouais. Non. Pourquoi? Bon, ok. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse une symétrie de l'autre pièce, là. Et alors, pour faire ça... Vraiment, ça fait des bruits incroyables. Pour faire ça... merci, Urzian. Ouais, moi aussi, je vais pas trop tarder, là. C'est un peu les dernières cartouches.
Grand merci à toi pour le raid. Et puis des bisous. Et puis peut-être à la semaine prochaine. Qui sait? Touk. Si je supprime l'extension. Ah oui, mais non. Sait-on jamais. on va créer un clone. On va le faire avec un clone. Et je vais garder, pour pas tout casser, je vais garder l'autre extension dans un premier temps. Donc, celle-là, on va faire extension droite. Extension gauche. Et hop, on va faire notre symétrie. Merci Kourk, merci Joe. Hop. Non, on va aller dans part. Et là dans part. Si je crée un mirroring de ça, oui oui. Non, sur XZ. Oh, incroyable. Et là maintenant, je peux dégager l'extension droite. Et voilà! On va le mettre en dessous. C'est parfait. Et ça, on va le mettre dans outils. Comme ça, on le verra plus. Et là, on a terminé. Et du coup, ça, il va falloir que je le réimprime, mais on fera pas ça ce soir. Pour des raisons de dodo, tout simplement. On va juste vérifier que les trous ici correspondent. Mais je pense qu'on est pas trop mal. Oui, c'est bon. C'est bon, on a bien eu la symétrie. Nickel. Et bah écoutez, une bonne chose de faite. Franchement, Proto, en deux semaines d'un dispositif pour le côté, c'est bien. On est pas mal. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière. En vrai, on avait passé à peu près deux semaines sur la vitrine. Voilà, j'oublie toujours le nom, mais la vitrine lumineuse qu'on avait montré tout à l'heure. Au final, c'était suffisant, je pense. Et là, pareil, deux semaines pour le panier. Voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre plus de temps que ça. Du coup, parfait. Alors, hop. Je vais couper ça. Et tac. Et du coup, on va s'arrêter là. Je pense qu'on va pas. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin. De toute façon, la pièce qui est de l'autre côté, elle va s'imprimer, mais on ne pourra pas l'installer tant qu'on n'aura pas le nouveau capteur. Donc on va attendre cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit raid chez Mustel, tiens. Parce que la dernière fois, je crois qu'on... Je sais plus si on a été chez elle. Non, on a changé. On a été voir la... J'ai oublié son nom. La personne qui n'est pas là, d'ailleurs, en stream, là, ce soir. Mais qui fait... qui faisait de la photographie sur son microscope. C'était assez cool. Là, on va aller refaire un petit coucou à Mustel. Donc, je lance le raid. Hop, nickel. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, profitez bien, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve, la semaine prochaine pour continuer, pour travailler. J'espère qu'on aura l'électronique, comme ça, on pourra finir cette partie qui nous bloque un peu sur les robots et on pourra passer à la suite. Donc, ça va faire du bien. Et puis, voilà, des gros bisous. Voilà, bricolez bien. Et puis, à la semaine prochaine. Salut, salut !